Merci Fred, merci Chani d'être là. Plaisir. On va prier ensemble et continuer notre travail. Oui. Fred, oui. Tu veux bien prier avec nous en commençant, si tu veux? Oui. Merci notre Père pour cette occasion. Vous nous avez donné pour étudier ensemble. Nous avons un sujet qui est très particulier. On vous demande de la sagesse et de votre esprit pour qu'on puisse avoir la connaissance qui devient seulement à partir de Jésus. Et c'est dans son nom qu'on prie. Amen. 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 Merci bien. La dernière fois, on a parlé du baptême. Et c'est de comprendre derrière ce symbole ce qui se cache comme expérience. Et je voudrais qu'on prenne aujourd'hui le sujet qui y est attaché, qui est la Sainte-Seine. C'est aussi quelque chose qui a un lien avec le baptême, mais qu'il est nécessaire de comprendre, parce qu'avec le temps, avec l'habitude, on fait souvent les choses par routine et on oublie ce que la Sainte-Seine veut dire véritablement. Toutes ces pratiques chrétiennes peuvent facilement devenir des routines, des habitudes que l'on fait sans nécessairement se souvenir comme il faut du sens que Jésus a donné tout ça. On va commencer par Matthieu 26, où il est justement question de cette dernière Pâque que Jésus va vivre avec ses disciples. Matthieu chapitre 26. Fred, je vais te laisser lire le verset 2, si tu veux, pour commencer. Matthieu 26, verset 2. Matthieu 26, verset 2. Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Merci. Jésus qui parlait à ses disciples leur dit ça pour, non pas la première fois, il l'a déjà expliqué souvent, sans qu'ils soient capables de comprendre ça. Et pourtant, un petit peu plus loin, il nous est dit, c'est le verset 17, si tu veux bien nous lire aussi le verset 17. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire, « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Voilà, alors Jésus va donner des instructions à ses disciples pour cette dernière Pâque particulière, un endroit qui a déjà été prévu, en tout cas par Jésus. Mmh. Et on va retrouver Jésus qui va faire de ce repas de Pâques quelque chose de différent. Sans aucun doute, les premières Pâques que Jésus a vécues, les 3 premières, celle-ci c'est la 4e, il a dû les pratiquer selon le rite habituel des Hébreux. Et ici, par contre, il va apporter quelque chose de particulier parce qu'il sait que c'est directement la Pâque où lui va être le sacrifice. Mmh. Est-ce que tu veux nous lire, s'il te plaît, Chani, les versets 26 à 29? Oui. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang. » Le sang de l'Alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Merci bien. On a dans les 3 évangiles synoptiques le récit de ce repas de Pâques. Matthieu, Marc et Luc rapportent ce moment dans la vie de Jésus qui est important, mais Jean ne le rapporte pas. Jean va présenter la Pâque d'une façon différente. Il va présenter le repas de Pâques au travers de 2 événements de la vie de Jésus. C'est d'abord Jésus qui transforme l'eau en vin, en jus de raisin, à la fête de mariage à laquelle il assiste, et la discussion que Jésus a avec ses contemporains par rapport au temple. Et ça se trouve dans Jean chapitre 2, c'est l'époque de la Pâque aussi, et on a dans ce chapitre 2 de l'évangile de Jean, le pain et le jus de raisin, les symboles du sacrifice de Jésus liés au temple, liés à la transformation de l'eau en vin. Mais Jean n'a probablement pas
rapporter encore cet événement-là parce que déjà les trois évangélistes l'avaient déjà fait. Par contre, il y a une chose que les autres évangélistes n'ont pas fait, c'est expliquer ce qui s'est passé au début, au moment où ils ont commencé la fête de Pâques. Ils ne l'ont pas rapporté. Probablement parce que c'était très habituel, de la même manière que les autres fêtes de Pâques n'ont pas été rapportées d'une façon détaillée, parce que c'était la fête de Pâques. Celle-là est différente. Et Jean va nous permettre de découvrir dans cette célébration particulière de la dernière fête de Pâques un élément que nous ne connaissons pas par les autres évangiles, dans l'évangile selon Jean au chapitre 13. Jean chapitre 13. Et je vais te demander, Chani, si tu veux bien, de nous lire peut-être tout le passage, si tu veux, depuis le verset 2 jusqu'au verset 11, si ça ne t'ennuie pas. Oui. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariot, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds? » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Merci. On a ici cet éclairage sur un moment de cette célébration de la dernière Pâque qui est particulièrement intéressant. On se souvient que c'était l'habitude, d'abord une habitude d'hospitalité courante, de laver les pieds des personnes qui viennent. Il y avait un serviteur qui faisait ça, ou la maîtresse de maison, la femme qui lavait les pieds des invités. Et c'était une pratique courante. Et dans le cas particulier, ça ne s'est pas fait. Il avait, de toute évidence, tout ce qu'il faut pour le faire. Mais personne n'a bougé. Personne n'a bougé. Personne ne s'est considéré comme étant suffisamment bas, esclave, serviteur ou quoi que ce soit, ou même une femme pour aller laver les pieds des autres. Ce qui fait que la célébration de Pâques a commencé, comme commence probablement une fête de Pâques juive. Et comme il ne se passe rien, après avoir pratiqué une partie des rites de la fête de Pâques juive, Jésus se lève et nous est dit, il va enlever son vêtement de dessus, il va prendre un linge, il va aller chercher l'eau et il va commencer à vouloir laver les pieds des disciples. Alors vous imaginez les disciples qui sont là. Il n'y en a pas un seul qui a voulu le faire. Moi, je suis le chouchou de Jésus, je m'appelle Jean. Moi, je suis le trésorier, je m'appelle Judas. Moi, je suis Pierre, je suis le plus ancien, etc., etc. Donc, ouais. C'est toujours l'autre qui doit faire. Et tout d'un coup, c'est Jésus qui va prendre l'eau, qui en met dans un bassin et qui s'approche des disciples pour les laver les pieds. On comprend qu'il s'est probablement approché de quelqu'un d'autre, de Judas peut-être, pour commencer à laver les pieds des disciples. Judas, il va geler sur place. Jésus qui vient laver les pieds. Et c'est justement là le problème qu'a Judas, parce que Judas était fâché avec Jésus parce que Jésus ne me faisait pas ce qui était dans sa tête à lui le concernant. Et voilà que Jésus est encore en train de se prendre pour le dernier des derniers et laver nos pieds.
dans la tête de Judas, ça a confirmé ce qu'il pensait de Jésus. Si je ne suis pas là pour le mettre en évidence, ça ne marchera jamais. Judas ne dit pas un mot. Ça le confirme dans ce qu'il pensait déjà. Il va falloir, ce Jésus n'y connaît rien, il va falloir que je sois celui qui mette Jésus en évidence. Il arrive à Pierre. Mais Pierre, lui, ne peut pas garder sa bouche fermée comme d'habitude. N'est-ce pas? Ouais. Toi, tu me laves les pieds. Pas question. Seigneur, tu me laves les pieds. Pas question. Non, tu ne me laveras pas les pieds. Et je peux imaginer Pierre qui replie ses pieds et qui ne veut pas que Jésus lui lave les pieds. Parce que la situation est trop à l'inverse de ce qu'elle doit être. Pour Pierre, contrairement à Judas, Jésus est le maître, il est le fils de Dieu, il est le Messie. Ce n'est pas à lui de laver les pieds. Parce que dans sa tête, Jésus n'est pas venu pour servir. Il est venu pour régner. Ça va? Non, tu ne me laveras pas les pieds. Et on connaît Pierre, hein? C'est au verset 9, verset 8. Non, jamais tu ne me laveras les pieds. Et vous pouvez imaginer Jésus avec un grand calme qui lui répond, si je ne te lave les pieds, ben d'abord il lui dit, tu ne comprends pas, ça ne fait rien. Non, je ne veux pas. Alors il dit, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas part avec moi. Alors Pierre qui se retourne comme une crêpe. Ah mais alors là Seigneur, je veux participer avec toi, mais il ne faut pas que tu me laves les pieds, c'est bon. Lave tout. Ouais, il va d'un extrême à l'autre. Non, je ne veux pas, maintenant je veux que tu laves tout. Et je lui dis, mais écoute, verset 10. Celui qui est lavé ou baigné n'a besoin que de laver ses pieds pour... Que dit le texte? Être entièrement pur. Pour être entièrement pur. Et j'ai mis en rouge dans ma Bible ce mot-là parce que c'est le mot important à retenir ici. Entièrement pur. Autrement dit, le lavement des pieds dans la Sainte Cène joue un rôle extrêmement important. Ici, Jésus est en train de dire que ce n'est pas simplement un rite d'hospitalité. C'est devenu un signe spirituel en rapport avec le péché. Et on a peut-être développé l'idée avec le temps que la Sainte Cène, c'est prendre le jus de raisin, prendre le pain, lavement des pieds, ben, ma foi, c'est un accessoire. Si ça ne convient pas, ça ne convient pas. Voilà. Mais Jésus ne dit pas ça. Jésus est en train de dire que le lavement des pieds permet de devenir entièrement pur. N'est-ce pas? Oui. Le lavement des pieds a donc autant d'importance que le jus de raisin et le pain qu'on va prendre. C'est aussi un symbole, n'est-ce pas? L'eau des bassins dans lesquels on va se laver les pieds n'a rien de magique, de particulier. Mais il y a là quelque chose qui est extrêmement important parce que quand j'arrive à la Sainte Cène, j'arrive à la Sainte Cène avec le désir d'être entièrement purifié, de reconsolider mon alliance avec Dieu, avec Jésus-Christ, mon Sauveur, et de me retrouver finalement dans une situation qui est semblable à celle que j'ai lorsque je sors des eaux du baptême. N'est-ce pas? Seulement, je peux obtenir le pardon des péchés selon ce que l'Évangile m'annonce. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. N'est-ce pas? Donc nous sommes invités à confesser nos fautes. Mais il y a un grand nombre de fautes que nous ne confessons pas parce qu'on n'en est même pas conscient, d'autres parce qu'on oublie, d'autres, etc. Ce qui veut dire que même quand on vient à Dieu dans l'esprit de l'Évangile en disant « Seigneur, je reconnais que j'ai fait ça et ça et ça, et je me rends compte que ce n'est pas ta volonté, et je me rends compte qu'à cause de ça, le sacrifice de Jésus a été nécessaire, et maintenant je viens confesser ces fautes parce que je ne veux plus tomber là. Donne-moi ton esprit pour en être vainqueur. »
pardonne-moi. Dieu va me pardonner. C'est une promesse, n'est-ce pas? Oui. Mais les autres que je n'ai pas confessés sont toujours là. Oui. N'est-ce pas? Mm-hmm. On a entre la Sainte Cène et la fête des expiations un lien particulier. Dans la fête des expiations, c'est la même chose. Les Juifs avaient la possibilité d'obtenir le pardon des péchés tous les jours en venant au temple et en apportant leur sacrifice, en confessant le péché sur l'animal et en sacrifiant l'animal. Alors, pourquoi est-ce que la fête des expiations est nécessaire? Mais parce que tous ces péchés qui n'avaient pas été confessés par ignorance, par oubli, par que sais-je, étaient encore là. Il fallait nettoyer le temple de tous ces péchés qui s'étaient accumulés symboliquement par le sang symboliquement contaminé. Mais ces péchés non confessés étaient encore là. Il fallait donc faire le nettoyage, la purification du sanctuaire. De la même manière, lorsqu'on pratique la Sainte Cène, on est invité à le préparer, et on le verra un petit peu plus tard, à se préparer pour la Sainte Cène, à présenter à Dieu nos péchés pour que le Seigneur nous pardonne. Mais le reste alors? Le reste alors? Mmh. Dieu nous offre, par cette Sainte Cène de Jésus-Christ, une grâce extraordinaire de vivre dans le lavement des pieds, le moment où je peux dire à Dieu, Seigneur, je sais que j'ai commis de nombreuses fautes, beaucoup plus que ce que je n'ai compris et reconnu. Eh bien, toutes ces fautes que j'ai oubliées, je te les donne maintenant. De manière à ce que je puisse être entièrement pur. C'est donc important, la Sainte Cène. Oui. Le lavement des pieds est essentiel. Et c'est le moment de se dire, mais à quoi je pense et de quoi je parle quand je fais le lavement des pieds à la Sainte Cène? Ce n'est pas le moment, en fait, de parler d'un tas d'autres choses. C'est un moment extrêmement important où le sacrifice de Jésus m'est appliqué pour des choses que je n'ai pas pu confesser parce que je l'ai oublié, parce que je ne le savais pas, etc. C'est pour moi le moyen d'être entièrement pur. Pas pur, entièrement pur. C'est donc essentiel, important. Et vous avez remarqué, c'est important, et Pierre l'a dit, Jésus l'a dit à Pierre en lui disant, c'est pas nécessaire de te laver entièrement parce que tu as déjà été lavé, tu as déjà été baigné, tu as déjà été baptisé. La Sainte Cène a par conséquent tout son sens pour celui qui a déjà été baptisé. N'est-ce pas? Absolument. Parce que si je n'ai pas déjà accepté Jésus comme mon sauveur personnel, si je n'ai pas créé entre lui et moi cette alliance à vie par le baptême, l'effacement des péchés, c'est pas suffisant. Il manque quelque chose. C'est déjà bien, mais c'est insuffisant. Par contre, si j'ai été effectivement baptisé, baigné, lavé dans cette alliance du baptême avec Jésus, à ce moment-là, les autres péchés qui vont inévitablement envahir ma vie après que j'ai été justifié, tout cela va être éliminé dans le cadre non plus de la justification, mais de la sanctification. Autrement dit, la Sainte Cène est un outil de sanctification. N'est-ce pas? Mmh. Et ça, c'est extrêmement important. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas prendre la Sainte Cène à la légère, parce que c'est le moyen par lequel Dieu veut m'aider à devenir juste de plus en plus. Mais Jésus dit, vous êtes purs, mais non pas tous. Et Jean explique, c'est parce qu'il savait qui allait le livrer. Autrement dit, la Sainte Cène, le lavement des pieds, n'est pas non plus un sacrement. C'est-à-dire que le fait d'accomplir le rite agit. Non. Parce que Judas
a aussi eu les pieds lavés par Jésus. Mais il n'a pas été purifié, lui. Parce qu'en voyant Jésus laver ses pieds, il ne s'est pas senti humilié par la grandeur de Jésus et de ce que Jésus faisait pour lui. Ça l'a au contraire confirmé que Jésus avait besoin que Judas prenne sa vie entre ses mains pour faire quelque chose avec. Judas n'a pas vécu de la repentance, de ne pas avoir fait ce qu'il aurait dû faire, de se prendre pour ce qu'il n'était pas, d'avoir accompli l'œuvre des serviteurs. Et voilà, c'est le Maître, Dieu en Jésus, qui doit venir me laver les pieds. On a du mal peut-être aujourd'hui à comprendre l'impact de ce geste par rapport à ces Juifs. Mais ce que Jésus fait est véritablement un acte d'humilité à peine acceptable pour les disciples qui avaient reconnu que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. D'où la réaction de Pierre qui souvent parle pour l'ensemble des disciples, n'est-ce pas ? Judas n'a pas été purifié par le lavement des pieds, parce qu'il n'avait pas l'esprit de repentance, parce qu'il n'a pas été humilié par ce que Jésus a fait pour lui, ni reconnaissant de ce que Jésus a fait pour lui. Par conséquent, la pratique de ce symbole ne nous donne pas automatiquement la bénédiction liée au symbole. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Le symbole a un sens quand je le vis moi-même avec la signification de ce symbole. Si je ne connais pas la signification, c'est égal. Exact. C'est égal. Si je n'ai aucune idée de ce que c'est qu'un bout de tissu blanc avec deux barres rouges et une feuille d'érable rouge au milieu, si je n'ai aucune idée de ce que c'est, je peux l'employer pour n'importe quoi. Mais ceux qui savent, ils vont être scandalisés parce que ça représente quelque chose, j'ai appris. Ouais. N'est-ce pas ? Oui. Donc ça c'est aussi, c'est un symbole. Mais si je ne suis pas en connexion avec ce symbole, si je ne sais pas ce que ce symbole veut dire, si je n'adhère pas à ce qu'il veut dire, c'est plus un symbole pour moi. Non, c'est ça. Et dans le cadre, ici, de la Sainte Cène, qui est lié directement au sacrifice de Jésus, Jésus dit, vous êtes purs, mais il y en a un dans le paquet qui ne l'est pas, parce qu'il n'a pas été touché dans son cœur par ce symbole-là, qui est l'exemple de Jésus. On peut participer à tous les baptêmes et toutes les saintes scènes qu'on veut. Ça ne changera peut-être rien pour nous si ce n'est pas l'expression de quelque chose de vécu entre moi et mon Sauveur. Vous l'avez dit, c'est pas de l'eau bénite, c'est pas de l'eau magique. Non. Il n'y a pas un détergent spécial dans l'eau. C'est vraiment en comprenant la profondeur de tout ce que cela représente que ça peut avoir. Oui. Et ce n'est pas le volume d'eau, ce n'est pas la température de l'eau, toutes ces choses, la couleur du bassin, toutes ces choses ne sont pas liées à la signification profonde de ce symbole, de cette image. C'est pas ? Donc nous avons là un exemple important à suivre, qui est celui de Jésus. Ouais. C'est ce qui s'est passé parce que ça aurait dû en fait arriver au début. Mais le repas de Pâques a commencé, comme d'habitude. Ouais. Et voyant que rien ne se passait, Jésus a dit, bon, on va reculer un petit peu en arrière pour faire ce qu'on n'a pas fait. Et voilà que Jésus fait ça. Coup de tonnerre dans le ciel bleu. N'est-ce pas ? Coup de tonnerre dans le ciel bleu. Maintenant, quand on lit la suite de ce texte, on apprend des choses particulièrement importantes. Je peux te demander, Chani, de nous lire le verset 12 à 17. Oui. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé.
Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Merci. Dans ce passage, Jésus est en train de dire de trois façons différentes, « Ce que je vous ai fait, faites-le. » Faites-le. Vous me considérez comme maître, c'est bien, mais n'oubliez pas que le serviteur est le maître. C'est pareil. C'est pareil. Alors, Jésus va leur dire, si donc je vous ai lavé les pieds, faites-le aussi les uns les autres. Pourquoi ? Parce que je vous ai donné un exemple. Ouais. Si vous êtes mes disciples, suivez les exemples, suivez le mode de vie et de fonctionnement du maître. C'est ça. Et il finit en disant, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, à condition que vous le fassiez. Combien d'églises chrétiennes aujourd'hui pratiquent la Sainte Cène et ne pratiquent pas le lavant des pieds ? Presque toutes. Oui. Presque toutes. Parfois, dans une occasion spéciale, on va faire un lavement des pieds, mais c'est l'exception. Je connais qu'une église chrétienne qui pratique systématiquement le lavement des pieds avec la Sainte Cène, c'est l'église adventiste. Et Jésus le dit clairement, il n'y a pas d'indication dans ce texte qui nous permette de passer à côté. Jésus leur dit, faites-le. Faites-le. Et encore une fois, ce n'est pas pour avoir les pieds propres, c'est parce que, dans ce lavement des pieds, je suis en train d'exprimer quelque chose de différent de ce que j'exprime à mon baptême. À mon baptême, je suis appelé à mourir à moi-même et à ressusciter. Mais dans le chemin que je vais continuer à suivre dans ma vie chrétienne, les péchés vont s'accumuler à moi. Ils vont salir mes pieds. Et je n'ai pas besoin de recommencer à chaque fois. J'ai juste besoin de laver mes pieds pour être entièrement pur. Parce que l'alliance que j'ai faite dans le baptême, elle reste. Alors, je vais reprendre l'image du mariage. Chaque fois que vous vous disputez avec votre femme, vous n'êtes pas d'accord sur ceci ou sur ça, et que vous vous rendez compte que vous avez parlé trop fort ou mal, vous n'allez pas divorcer et vous remarier après. L'alliance a été faite une fois pour toutes. N'est-ce pas ? Mais le long du chemin, il y a des fautes, il y a des erreurs. On va se demander pardon, on va se réconcilier, on va remettre les choses en ordre et on va continuer sous la même alliance. N'est-ce pas ? C'est ce qui nous est proposé ici par Jésus. Celui qui est lavé n'a besoin que de laver ses pieds pour être entièrement pur. Et Jésus dit, faites-le. Faites-le parce que tout ce que vous n'avez pas confessé, parce que, dans une certaine mesure, vous ne le pouvez pas, vous ne le savez pas, vous n'en avez pas pris conscience. Pas encore, peut-être. Mais tout ça, ce sont des choses qu'il faut éliminer du chemin, qu'il faut éliminer de votre vie. Et sans aucun doute, en me préparant pour la Sainte Cène, je vais dire à Dieu, mais Seigneur, voilà 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, que je retombe dans le même travers. Il serait temps que je sorte de ça. Je sais que tu me pardonnes, mais tu ne veux pas simplement me pardonner, tu veux me transformer. Donc il va peut-être falloir que, dans cette Sainte Cène, non seulement je te demande le pardon de cette faute-là, mais une mesure spéciale de ton Saint-Esprit pour être vainqueur là-dessus. Quelle que soit la faute en question, dont je prends conscience maintenant, ou dont on m'a fait prendre conscience. Peut-être qu'au début de ma vie chrétienne, je n'étais pas conscient qu'il y avait cette faiblesse-là. Mais maintenant, je me rends compte que ça fait 1, 2, 15, 10, que sais-je, années, que je continue mon chemin sans traiter cette question-là. Maintenant, je sens que le Seigneur m'appelle non seulement à éliminer ces fautes-là, à être entièrement pur, mais à travailler sur l'élimination de cette faute, de ce péché, de cette habitude. C'est la raison pour laquelle le lavement des pieds, la Sainte Cène, est un outil de sanctification. Un outil extrêmement important. Alors, je reviens maintenant à l'évangile de Matthieu, si vous voulez bien,
où il était dit ici que Jésus, au verset 26, on y était tout à l'heure, Évangile de Matthieu, chapitre 26, et au verset 26 aussi, il est dit « Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain ». Donc ils ont mangé la Pâque avec l'agneau, etc., les herbes amères, mais il va prendre ici du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, ceci est mon corps ». Vous remarquez que Jésus va casser le pain. C'est déjà une image de ce que Jésus va vivre dans son sacrifice et qu'il essaie de faire comprendre aux disciples qui ont du mal à intégrer le sacrifice de Jésus. Jésus va briser le pain, casser le pain. Et le fait de manger le pain, ici, est quelque chose de très significatif parce que le pain, encore aujourd'hui, représente, est une image de la nourriture globale, en général. Ouais. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Peut-être qu'on n'a pas mangé une miette de pain aujourd'hui, mais on a mangé, ouais, n'est-ce pas ? Exact. Mais n'oubliez pas, par quel moyen le péché est-il entré dans le monde ? Par le manger. Mais oui. Mais oui, Adam et Ève ont mangé quelque chose que Dieu leur avait dit, « Touchez pas à ça ». N'est-ce pas ? Jésus apporte maintenant ici, comme dans l'Ancien Testament, quelque chose à manger qui va représenter son sacrifice et qui va être l'antidote de ce que Adam et Ève ont mangé au départ. Dans l'Ancien Testament, ils vont manger l'agneau, carrément. Et toute la famille va en manger. Pas seulement le père qui va au temple, toute la famille. Et ici, puisque les sacrifices et le temple et tout ce qui est lié au temple et toutes les fêtes qui sont liées au temple vont s'arrêter parce que le sacrifice a été fait, Jésus va apporter quelque chose qui ne va pas annoncer sa mort, mais qui va nous amener à nous souvenir de sa mort. Faites ceci en mémoire de moi. Et il va prendre le pain et rompre le pain en disant « Ceci est mon corps ». Maintenant, Jésus avait déjà dit, et c'est dans Jean, au moment où il va multiplier le casse-croûte du petit garçon, vous vous souvenez, pour nourrir des milliers de gens, il va dire « Je suis le pain de vie ». Les gens, encore, ne vont pas comprendre. Jésus va dire « Vous devez manger ce pain ». Comment ça ? Difficile à comprendre. Eux, ils étaient restés avec le pain boulanger, là. Et Jésus leur dit, vous devez manger ce pain. Je suis le pain de vie. Comment est-ce possible ? Manger le pain était devenu une image que Jésus a utilisée pour dire, vous devez vous approprier le ministère que je suis venu accomplir pour vous. Et dans ce pain, il y a quelque chose de particulier parce que Jésus est sans péché. Donc il va falloir que ce pain soit sans le symbole du péché. On va aller dans le livre de l'Exode, où se trouve l'institution de la Pâque, Exode chapitre 12, où il y a là les détails de la première Pâque, qui est célébrée au moment où le peuple hébreu sort de l'Égypte. Exode chapitre 12, le verset 8. Exode chapitre 12, le verset 8, si tu veux bien nous lire ce verset, Fred. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Merci. On ne va pas lire la description complète de cette fête, mais je voulais souligner ici que l'agneau qui est sacrifié à la Pâque va être mangé avec du pain sans levain, des herbes amères. Le sacrifice de Jésus n'est pas un sacrifice comme tous les autres. C'est un sacrifice très amer, très dur, extrêmement dur pour le Christ. Et ici, il est question d'un pain sans levain. Alors, c'est essentiel aussi parce que le levain, dans les Écritures, est une image du péché. On va le regarder dans
le livre de Matthieu, dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 16. Évangile selon Matthieu, au chapitre 16. Il y a là encore une sorte de malentendu entre Jésus et les disciples. Les disciples vont penser que Jésus parle encore du pain boulanger, mais ce n'est pas de ça qu'il est question. On va lire dans Matthieu chapitre 16, le verset 11 et 12, si tu veux bien, Chani. Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors, ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Merci. Donc, le levain va être l'image du péché, la fermentation. C'est pourquoi, on va en parler dans un instant, s'il faut prendre du pain sans levain pour la Sainte Cène, c'est-à-dire sans le symbole du péché, on ne peut pas non plus prendre du vin alcoolisé, parce que c'est le même symbole. Mm-hmm. Il va falloir être conséquent dans tout ça. Maintenant, dans l'Épître aux Corinthiens, la première Épître aux Corinthiens, au chapitre 5, l'apôtre Paul va expliquer ça d'une façon très claire. 1 Corinthiens, chapitre 5, et on va lire le verset 7 et 8. « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez en une Pâque nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec de vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain, de la pureté et de la vérité. » Merci. C'est clair. Jésus est sans péché. Ce qui symbolise le sacrifice de Jésus doit aussi être sans le symbole du péché. Nous avons donc à célébrer cette fête, non pas avec du vieux levain, qui a donc eu le temps de produire cette fermentation nécessaire au pain levé, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Mmh. C'est ce que Jésus va utiliser pour représenter son sacrifice, briser le pain et en donner aux disciples. Mmh. C'est donc très important que le symbole soit une image claire et conséquente de ce qu'il représente. Maintenant, Jésus, dans ce texte, et je reviens à Matthieu, si vous voulez bien, Matthieu 26, on était tout à l'heure, après avoir distribué le pain, je vais te demander, Chani, de nous lire le verset 27 et 28. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang. » Le sang de l'Alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Merci. Vous avez remarqué, c'est pour la rémission des péchés. Alors, on avait parlé déjà de cette différence qu'il y a entre le péché et les péchés lorsqu'on avait parlé des deux Adams. Lorsque je vis l'expérience du baptême, je renonce, je laisse le Christ prendre le péché. Cette nature de péché. Et je suis regardé comme si je n'étais pas un pécheur. Et puis, tous mes péchés sont aussi effacés. Mais ici, il est question de la rémission des péchés. Toutes ces fautes qui se sont accumulées à mes pieds, si je puis dire, le long du chemin de ma vie chrétienne, maintenant, on va laver tout ça. Et ça fait partie du lavement des pieds et du pain et du jus de raisin. L'antidote que Jésus apporte par quelque chose qui se mange, mais qui ne contient pas le symbole du péché, parce qu'il représente Jésus lui-même. Mmh. Autrement dit, le vin dont il est question ici, et qui était le vin de la Pâque, était nécessairement un vin non fermenté. D'ailleurs, les Juifs avant la Pâque faisaient un grand nettoyage de la maison et éliminaient, nettoyaient tout ce qui était fermentation. Donc le pain était du pain non levé,
Et le jus de raisin était du jus de raisin non levé, non fermenté. Et c'est ce qui nous permet de dire en particulier que dans l'évangile de Jean, chapitre 2, lorsque Jésus transforme l'eau en vin, il n'y a qu'un seul mot dans le grec, Jésus va faire du, ce que nous appelons aujourd'hui du jus de raisin, parce que le texte nous dit que c'est le moment de la Pâque. Et Jésus qui fait là un miracle, qui bien entendu par Jean en particulier va être rapporté à la crucifixion, où quand le soldat va lui percer le côté, il y a de l'eau et du sang qui va sortir, ce miracle de Jésus qui est le premier de tous ces miracles, est en réalité directement connecté à son sacrifice. Par conséquent, Jésus n'a évidemment pas fabriqué du vin alcoolisé, parce que ce miracle-là, qui est présenté d'ailleurs non pas comme un miracle, mais comme un signe dans l'évangile selon Jean, oui. C'est le mot « signe » qui est utilisé. Il y a d'autres mots pour parler des miracles, ce n'est pas ce mot-là qui est employé. Jésus fait là un signe, c'est-à-dire un geste significatif de sa mort. Jésus ne va pas utiliser un symbole de sa mort dans lequel il y a le symbole du péché. Ce n'est pas possible. Donc le jus de raisin de la Sainte-Seine, qu'on appelle parfois du vin, n'est pas du vin comme on l'appelle aujourd'hui, parce que c'est totalement inconséquent avec le sens de la Sainte-Seine, c'est-à-dire intégrer dans notre vie le Christ sans péché, pour que nous puissions, nous, être aussi pardonnés et purifiés du péché. D'où l'importance de comprendre toute l'importance et de la signification derrière les symboles. Oui. Et que c'est pas simplement, on n'a pas de jus de raisin, on va prendre d'autres choses, ou peu importe, le fermenté, pas fermenté, qu'est-ce que ça peut bien faire. Il y a une signification. Absolument. Avec un sens hyper profond. Oui. C'est ce qu'on voit. Je trouve que c'est fantastique de pouvoir avoir à quel point Jésus, non seulement il nous donne l'exemple, mais il utilise des symboles puissants. Exact. Et parfois, dans le christianisme actuel, on veut essayer de développer cette institution de la Sainte-Seine en faisant ce qu'on appelle parfois un repas d'agapé, où on ne tient pas compte de ce que Jésus donne comme instruction. En pensant que si on dit que c'est le corps du Christ et que c'est le sang du Christ, ça suffit pour qu'on puisse fraterniser autour d'un repas où il y a du pain et puis du vin ou boisson quelconque. Non, le symbole va montrer ma foi dans ce que ce symbole représente. C'est ça. On a la même chose dans l'Ancien Testament. Lorsque Dieu leur demandait de pratiquer ces fêtes, de pratiquer ces choses qui étaient données dans la loi de l'Ancien Testament, leur foi s'exprimait par l'obéissance dans ces symboles par rapport à ce que ces symboles représentaient. Et pour nous, c'est finalement la même chose. Je ne peux pas blasphémer Jésus, son nom, son sacrifice, en méprisant les symboles qui le représentent d'une façon si précise. Donc le sang de Jésus, versé pour nous une image de sa mort, doit être représenté par du jus de raisin non fermenté. Et ça, je crois que c'est important parce que la Sainte-Seine, même si elle est solennelle dans un sens, parce qu'elle nous approche, elle nous rappelle la mort de Jésus, doit pouvoir être aussi un moment de réjouissance parce que quand je repars de ce moment, je repars purifié, je repars en communion parfaite avec Dieu, je repars bénéficiant non seulement de la mort, mais de la résurrection de Jésus. Donc c'est important que je puisse rentrer dans la signification et la dynamique de cette Sainte Seine transformée, la fête de Pâques transformée dans la Sainte Seine que Jésus nous a donnée. Maintenant, nous pratiquons la Sainte Seine souvent. Il n'y a pas d'indication particulière sur la période ou la régularité à laquelle on doit pratiquer ces choses. On n'a pas d'indication. Non. Il ne nous a pas dit si ça devait être chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, chaque trimestre. On ne sait pas.
Jésus nous dit de faire ces choses chaque fois que nous le pratiquons. Et j'aimerais qu'on regarde pour ça un texte qui est dans 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11, l'apôtre Paul ici sent le besoin de rappeler à l'église de Corinthe que la Sainte-Cène, ce n'est pas un repas en commun. Ce n'est pas un potluck. Mm-hmm. Ce n'est pas une fête de famille où chacun apporte son casse-croûte. Ce qui était devenu le cas dans cette église. Et j'aimerais te demander, Chani, de nous lire, si tu veux bien, dans 1 Corinthiens chapitre 11, les versets 23 à 26. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Merci. L'apôtre Paul rappelle ici le pain, le jus de raisin, et il dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. » Alors, en quoi est-ce que il s'agit là d'une alliance nouvelle? Qu'est-ce qu'elle a de nouveau, cette alliance-là? Parce que, finalement, quand on y réfléchit, on se rend bien compte que les Juifs avant Jésus, et même les païens avant la venue de Jésus, étaient sauvés de la même manière. Ils étaient sauvés par leur foi, s'exprimant dans l'obéissance des prescriptions qui leur étaient données, par rapport à ce que Jésus allait faire pour eux. N'est-ce pas? Oui. Les sacrifices sont l'exemple typique de ça. On va faire mourir l'innocent pour pardonner les péchés du coupable. N'est-ce pas? Mais aujourd'hui, nous sommes sauvés de la même manière. C'est juste les outils pédagogiques qui changent. Les images vont être différentes. La manière de transmettre ce message va être différente. Mais est-ce qu'on est sauvé différemment? Non. Avant ou après Jésus? C'est la même loi. C'est la même chose. Oui. En fait, après la mort de Jésus, on abolit tous les sacrifices. Et à sa place, on institue le Saint-Saint. Exactement. Tout ce qui est en rapport avec le temple et qui était vécu avant Jésus pour annoncer Jésus, que ce soit les sacrifices, les fêtes, les différentes prescriptions qui étaient données, étaient toutes liées au temple, au sacrifice du temple, en annonce de ce que Jésus allait faire. Maintenant, le sacrifice est fait. Tout ce qui était lié au temple, sacrifice, fête, etc., est mis de côté parce qu'on ne va plus annoncer la mort de Jésus, on va s'en souvenir. Dans une perspective bien, bien précise, en vue de sa venue. Le verset 26 nous dit, « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Dans cet espace de temps où Jésus est dans le ciel en train d'intercéder pour nous, présentant à Dieu les mérites de son sacrifice pour nous pardonner, nous voulons nous souvenir de ce que Jésus a fait dans l'attente de la réalisation de la promesse de la vie éternelle. Donc c'est une nouvelle alliance parce que maintenant, nous avons en Jésus l'exemple de la perfection dans l'humanité. Jusque-là, on n'avait pas encore. C'était tous des êtres humains, pécheurs. Maintenant, cette nouvelle alliance garantie par le sacrifice de Jésus est garantie par celui qui est parfait et qui va donner sa vie pour le pardon et le salut de tous ceux qui l'acceptent. Cette fois-ci, il ne va plus être question d'obéir aux lois précédentes, mais il va être question, cette fois-ci, de suivre non seulement les 10 commandements, mais l'esprit des 10 commandements. Et c'est ce que Jésus fait dans le serment sur la montagne, vous vous en souvenez, où il va élargir les 10 commandements à toute notre vie entière,
à ce qu'on pense, à ce qu'on regarde, à ce qu'on fait. Par conséquent, Jésus ici ouvre une perspective extrêmement large jusqu'à son retour. C'est une manière pour l'apôtre Paul qui rappelle ces choses de dire à quel point la Sainte Cène est solennelle parce que le sacrifice de Jésus est extrêmement solennel. C'est une alliance nouvelle. Faites ceci en mémoire de moi. Et il y a cette perspective qui, pour moi, est extrêmement forte, celle de cette commémoration de la mort de Jésus jusqu'à ce qu'il vienne dans sa gloire. Parce que le jour où Jésus va venir dans sa gloire, nous allons participer à sa victoire. Le péché sera enlevé de notre nature et nous serons transformés à son image. C'est en attendant, c'est en pratiquant jusque-là que nous sommes invités à reconnaître que aucune transformation dans notre vie, aucune victoire sur le péché n'est possible sans nous mettre au bénéfice de ce que Jésus a fait. Extrêmement important. Oui. On voit ici, Jésus le dit, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous le faites, que vous le ferez. Pas d'indication de temps. Donc, c'est à nous de choisir entre trop souvent et trop peu souvent. Dans l'Église adventiste, on a choisi quelque chose qui n'est pas une règle, qui est une suggestion de le faire une fois par trimestre, de façon à ce que ça ne devienne ni une routine, ni quelque chose qu'on ne sait plus ce que c'est parce qu'on le fait trop peu souvent. Il y a un équilibre à trouver là-dedans, dans cette pratique-là, et de se souvenir que Jésus l'a campé dans un certain état d'esprit. Il ne s'agit pas ici de quelque chose qui est la reproduction du sacrifice de Jésus chaque fois qu'on le pratique. N'est-ce pas ? Le christianisme traditionnel a transformé la Sainte Cène dans cette théologie qu'on appelle la transsubstantiation. Par laquelle, lorsque on présente le pain devient le corps de Jésus. Mais il n'en a pas l'apparence. Et autrefois, les prêtres disaient, il ne faut pas mordre sur l'hostie parce que ça saigne. Alors évidemment, il y a des gamins et des gens qui ont toujours mordu, ils se sont rendus compte que ça ne saignait pas. Ils se sont dit, mais comment ça marche ? Cette transsubstantiation, c'est la substance qui change, mais pas l'apparence. Alors, c'est venu au IXe siècle pour la première fois, dans les années 800 et des. Ça a été confirmé par plusieurs conciles, le concile de Latran, le concile de 1215, le concile de Trente en 1551, qui ont véritablement institué ça. Mais ça vient d'une manière tout à fait, j'allais dire enfantine et inappropriée de comprendre les paroles de Jésus. Jean 6, Jésus dit « Je suis le pain ». Et on en a déduit, il est le pain. Ah, alors, ça a l'allure de pain, mais on est en train de manger Jésus. Et vous pouvez comprendre que certaines personnes ont traité les chrétiens de cannibales parce qu'ils disaient « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». C'est des gens qui mangent leur maître à penser, c'est ce qu'est les gens qui boivent son sang, qu'est-ce que c'est que ça ? Mais Jésus dit aussi, je suis la porte. Est-ce que Jésus est une porte ? C'est une image. Et pourtant, le christianisme traditionnel a, pendant longtemps jusqu'à aujourd'hui, mis sur les portes le signe de la croix. Vous regarderez dans les maisons, même les maisons modernes, les portes sont souvent faites avec le signe de la croix. Et quand les portes ne sont pas faites avec le signe de la croix est crucifié et mis au-dessus. Parce que Jésus dit, je suis la porte. Et quand Jésus dit, je suis le cep, qu'est-ce qu'on fait ? Quand Jésus dit, je suis l'alpha et l'oméga, qu'est-ce qu'on fait ? C'est ça. Quand Jésus dit, je suis le bon berger, est-ce que tous les bergers sont une représentation de Christ ? Non. Je suis l'agneau,
je suis ceci, je suis cela. Toutes des images qui illustrent des aspects différents de la complexité du ministère de Jésus. Mais Jésus n'a pas dit « je suis la porte ». Donc toutes les portes qui vont exister, ne donnez pas des coups de pied dedans, c'est moi. Non. Vous me suivez ? Oui. Le symbole. C'est une image. Et en prenant l'image littéralement, on manque le sens de l'image, évidemment. N'est-ce pas ? Oui. Et on va faire de ça un sacrement, c'est-à-dire l'application stricte du geste va automatiquement produire un effet. Et on voit que dans la parole de Dieu, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Autrement dit, j'aimerais simplement relire peut-être un texte avec vous dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 9, où il nous est clairement précisé que le sacrifice de Jésus n'est pas à faire à chaque Sainte Cène, ce n'est pas la reproduction du sacrifice de Jésus, mais le sacrifice de Jésus a été fait une fois pour toutes. On va lire dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 9. Chani, je peux te demander de nous lire, si tu veux bien, le verset 25 à 28. Oui. 25 à 28. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il apparut une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement? De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Merci. Il est question au verset 25 d'un sang qui, dans une traduction probablement plus proche de l'original, est un sang qui est le sien, plutôt qu'un sang étranger, parce que le sang étranger n'a pas d'effet pour le pardon des péchés. Et il nous est dit ici que même si les sacrificateurs pratiquaient les règles religieuses plusieurs fois dans l'Ancien Testament, ce n'est pas le cas pour Jésus. Il pratiquait ces choses à plusieurs reprises pour l'enseigner, le faire comprendre. Mais ce n'est pas parce que le sacrificateur rentrait dans le sanctuaire plusieurs fois que Jésus va offrir le sacrifice de Jésus va être fait plusieurs fois. Le texte nous mentionne, il l'a fait une fois pour toutes. Jésus a offert ce sacrifice une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Et vous avez remarqué qu'il y a un lien de nouveau dans ce texte entre la première venue de Jésus et la deuxième. Il paraîtra sans péché une seconde fois pour ceux qui l'attendent pour leur salut. Dissocier la première venue de Jésus de la deuxième, c'est détruire le plan du salut. Parce que lorsque j'accepte Jésus comme mon sauveur personnel, que je suis baptisé, que je vis la conversion, je reçois un chèque, sauvé. Et l'apôtre Jean nous dit, nous sommes sauvés, maintenant. Mais je n'ai pas le cash encore. Le cash me sera donné quand Jésus revient. J'ai la vie éternelle maintenant parce qu'elle est la promesse qui nous est faite. Mais je ne suis pas encore un individu qui a la vie éternelle. Je vais la recevoir. Le cash va m'être donné le jour où Jésus revient. Et je n'ai pas de problème parce que ce chèque qui m'est donné, où il y a marqué vie éternelle, est signé de celui qui est la vie. Et que dans nos Bibles, nous appelons l'Éternel. Alors, Jésus qui s'est offert une seule fois ne va pas être resacrifié chaque fois qu'on fait la Sainte Cène. Par contre, je me souviens de ce qu'il a fait pour moi, de sorte qu'aujourd'hui encore, je puisse être sauvé par son nom. Exactement. Et ça, c'est extrêmement important. La Sainte Cène est une image, un symbole qui nous approche de Jésus. Et je crois qu'il est important de se souvenir que tout ce qui nous permet de nous approcher de Jésus doit produire en nous les mêmes sentiments, les mêmes attitudes que la présence de Jésus produisait lorsqu'il était sur la terre.
Les gens s'approchaient de Jésus avec joie, mais sa présence imposait une admiration, une adoration, un respect, parce que même s'il avait l'apparence de tous les autres hommes, se dégageait de lui quelque chose qui était la puissance divine. Et lorsqu'on s'approche de Jésus en prenant les symboles qu'il nous a donnés, c'est dans ce même esprit qu'on doit s'approcher de lui. La réjouissance de ce qu'il nous a offert, le salut par la foi dans ce qu'il a fait. Mais en même temps, nous approcher de lui avec cette révérence, cette admiration, cet esprit d'adoration. En nous souvenant que, puisque Jésus n'est pas visible pour nous, il nous a donné des images visibles, de façon à ce que nous puissions comprendre que Dieu est Dieu et que nous, pécheurs, sans lui, nous sommes perdus. La Sainte Cène, bien que ce soit des images, nous rapproche de Jésus et doit nous rapprocher de Jésus dans cet esprit-là. Et je voudrais juste terminer avec ce texte qu'on a lu tout à l'heure dans 1 Corinthiens au chapitre 11. 1 Corinthiens au chapitre 11, c'est le texte que généralement nous lisons dans les célébrations de Sainte-Cène. Au verset 26, il est dit « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Je trouve là le message que nous avons en tant qu'adventistes. Si je veux attendre le retour de Jésus dans la paix, dans la joie, il faut que j'aie accepté le sacrifice de Jésus pour moi. Et en acceptant le sacrifice de Jésus pour moi, eh bien, son retour est pour moi la merveilleuse, bienheureuse espérance que nous attendons tous. Jésus revient bientôt. C'est une joie, c'est une grâce pour tous ceux qui ont accepté Jésus comme leur sauveur personnel. La mort de Jésus et le retour de Jésus sont indissociables. Et si dans le christianisme traditionnel, il y a partout des images de Jésus crucifié, ce n'est pas un sauveur mort que nous adorons. C'est un sauveur vivant. Et vivant au point qu'il n'a pas laissé l'humanité et chacun d'entre nous orphelin, il nous a donné son esprit en attendant qu'il revienne en chair et en os et en réalité nous chercher. Et nous attendons avec impatience ce moment-là. Chaque Sainte Cène est pour nous l'occasion de regarder en arrière vers le sacrifice de Jésus et de regarder en avant vers son prochain retour. Il revient bientôt et c'est à nous, à ces moments-là, de nous poser la question « Est-ce que je suis prêt pour le retour de Jésus ?» Est-ce que les signes et les symboles qui représentent les bénéfices que Jésus m'offre, est-ce que j'en tire profit aujourd'hui pour être un vrai disciple de Jésus? C'est pour nous l'occasion de nous poser cette question et d'avancer pour que nous soyons prêts lorsque Jésus revient. Je vous propose qu'on prie ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour toutes ces images. Nous vivons aujourd'hui dans un monde visuel, dans un monde d'images. Et ces images, nous voudrions qu'elles nous parlent, qu'elles nous parlent comme tu parlais à tes disciples. Ces images qui transforment cette parole écrite en parole vivante et qui font que nous devenons, nous aussi, porteurs de cette parole vivante qu'est Jésus. Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas approché les symboles de ton sacrifice dans l'état d'esprit où nous aurions dû le faire. Nous voudrions aujourd'hui que tu nous apprennes à t'admirer, à t'adorer, à te respecter comme le roi des rois et le seigneur des seigneurs, mais aussi comme notre sauveur personnel à chacun. Seigneur, nous attendons ton retour avec impatience. Et nous voulons te louer de ce que par ton sacrifice, il y a 2000 ans, tu nous donnes aujourd'hui l'assurance, la ferme assurance que tu es capable de nous donner la vie. Tu es la vie et la promesse que tu nous as faite, c'est la vie éternelle. Seigneur,
Accorde-nous cette foi pour nous accrocher à tes promesses et à nous réjouir de leur réalisation bientôt. Nous t'en prions au nom de Jésus, notre divin Sauveur. Amen. Merci beaucoup. Merci. À la prochaine fois pour continuer notre étude ensemble. Au plaisir.